Les travaux de la route Koyamamu à l'arrêt, aucun engin en action et aucun ouvrier. Depuis un certain temps, les travaux de reconstruction de la route nationale Koyamamu sont à l'arrêt. Une situation qui inquiète plus d'un. C'est le cas de l'opposant Bahouri, président du parti UDRG, qui vient de lancer une alerte à ce propos. Et c'est à travers le réseau social Twitter qu'il a fait part de ses inquiétudes au sujet de l'exécution des dits travaux. Nous avons constaté avec beaucoup d'inquiétude que le chantier de la construction de la route Koyamamu est à l'arrêt. Nous n'avons vu aucun engin en action et aucun ouvrier s'affairer. Or, le goudron est décapé. Les pluies seront là dans 3 mois. Que vont devenir les usagers? A alerté Bahouri, ce vendredi soir. Dans le même registre, Bahouri accuse le pouvoir de ne pas prendre en compte la route nationale Mamoubita, qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. La route Pitamamou est fortement dégradée. Quelques images prises à Kandouma. Cette route ne fait pas partie des projets gouvernementaux à moyen terme. Si la réfection de la voie n'est pas engagée le plus rapidement possible, alors celle-ci risque d'être un lointain souvenir, a déploré le président de l'UDRG.